Carte mère, mission du jour. On va trouver un partenaire de basketball pour notre ami. Comme ça, on pourra dire que tout est parfait. Bien compris, Roger. Ta mission, trouver un nouveau partenaire de jeu. Faisons vite comme une météorite. Chef, où est-ce qu'on va trouver un partenaire de basketball par ici? Nom d'une fusée, Rover. Tu as raison. Les patrouilleurs jouent parfois avec des robots. Comme on le fait ensemble, pas vrai, mon grand? Peut-être que notre ami terrien jouerait avec un robot lui aussi. On va fabriquer un robot basketteur. Fabriquer un robot basketteur? Chef, c'est une mission impossible! Il n'y a rien d'impossible pour un patrouilleur sidéral. Surtout quand on a de super robots. Il y a sûrement un robot pour ce boulot. Il y a un robot pour ce boulot, lequel d'entre eux retenir? Il y a un robot pour ce boulot, qui peut vraiment tout construire. Brico robot, activation! Brico robot à votre service. Bienvenue à cette mission, Brico robot. Il faudrait que tu fabriques un robot basketteur avec qui notre ami terrien pourrait jouer. Voyons voir. Fabrication du robot basketteur. Bricolomus, Maximus, robot basketimus. Wow, il a l'air génial, Brico robot. Il sait vraiment jouer au basketball? C'est même la fonction principale de ce robot, ô chef sidéralissime. Grâce à mon fabuleux mécanisme méga rebondissant supersonique, il peut dribbler, sauter et lancer. Oh! Je suis un dico-robot, pas un ballon de basketball! Oh! Nom d'une pluie de comète, ce robot basketteur ne sait plus s'arrêter! Brico-robot, éteins-le vite avant qu'il ne dribble et ne prenne la planète pour un énorme ballon! Il s'éteindra tout seul, chef, dès que quelqu'un l'aura battu à une partie de basketball! Il faut qu'on trouve le moyen de le battre. Chef, si l'on se fie à mes calculs, ce robot de basketball est absolument imbattable. Quand une erreur se produit, un patrouilleur réfléchit. Il nous faut un plan. Dico robot, montre-nous ces images de basketball. Intéressant. Chaque équipe a des joueurs qui peuvent faire différentes choses. Et un joueur grand et costaud qui peut empêcher l'autre équipe de gagner. On n'a personne de grand et costaud. À part moi, évidemment. On a besoin de muscles pour cette mission. Et il y a un robot pour ce boulot. Il y a un robot pour ce boulot, lequel d'entre eux il nous faut? Il y a un robot pour ce boulot, c'est lui le plus costaud. Costaud robot, activation. Costaud robot, à votre service. Je suis grand et costaud. Exactement ce qu'il faut. Costaud robot, reste ici et empêche le robot basketteur de marquer des points. Compris, chef. Je vais l'arrêter. C'est moi qui vais l'arrêter. Je n'ai pas réussi à l'arrêter. Moi non plus. Je n'aime pas du tout ce jeu. 20-0, temps mort. Si on veut gagner, il faut qu'on imagine un plan. Moi, j'ai un plan. J'entre tout de suite dans l'équipe du robot basketteur. Une équipe! Il n'y a qu'un seul moyen de battre ce robot basketteur, et c'est de travailler en équipe. Regroupez-vous, les robots.
au basketball. Rebonjour, chers amis et amateurs de sport. Voici la deuxième mi-temps de cette superbe partie de basketball qui oppose le robot basketteur et la patrouille sidérale. Le robot basketteur a le ballon. Mais est-ce le bon ballon? Tu ne m'attraperas pas. Wouhou! 2 points pour la patrouille sidérale. Égalité, 20 partout. Le prochain panier l'emporte. Le ballon part en fusée. Qui va le récupérer? Quel incroyable saut, les amis! Le robot basketteur va rattraper le ballon! Ce n'est pas encore fait! La patrouille n'abandonne pas! Elle va au combat! Activation des fusées de patrouille dans 3, 2, 1... Je l'ai! Ouais! La patrouille sidérale a gagné! Génial! Brico-robot, peux-tu donner moins de puissance au robot pour que notre ami terrien puisse jouer avec? C'est comme si c'était fait, chef. Le robot basketteur est prêt à jouer. Il est sidéralifique! Beau travail, patrouilleur Roger. Mission accomplie. On peut dire que tout est parfait. Carte mère, on rentre à la base.